C'est une série qu'on qu pourrait plutôt euh, qualifier de saison, un petit peu comme les, un petit peu comme les séries de télévision. C'est-à-dire que euh, je l'ai conçue en six tomes, en six épisodes. Et euh, c'est une saison parce que euh, chaque, chaque tome raconte une enquête policière bouclée, mais la saison, elle est sur un feuilletonnant euh, qui concerne le personnage principal de la série, euh, ce fameux commandant Akab. Et donc il va raconter euh, ce qui va lui arriver euh, sur six épisodes. Il y aura un début, un milieu et une fin. Voilà. Après, euh, qui sait, si, si ça marche, on pourra faire d'autres saisons autour d'Acab. Mais pour l'instant, euh, ce qui est prévu, c'est ça. J'aimerais qu'effectivement, le rythme de publication soit rapide. Euh, le deuxième tome est pratiquement achevé. Si tout se passe bien, il sortira en mai. Et euh, Stéphane Douet a, a ce talent de, de travailler vite. C'est-à-dire que Stéphane dessine un album en à peu près... Euh, le premier a été plus long, parce qu'évidemment, il fallait beaucoup construire. Mais le second, il l'a dessiné à peu près en six mois. Donc c'est sûr que si on pouvait avoir euh, à peu près huit mois entre chaque album, entre chaque tome de la saison, ce serait, ce serait parfait. Le décor, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi, de toute façon. Parce que... Euh, moi je pars toujours d'un... Je pars toujours d'un lieu pour raconter une histoire. Si un lieu me fait quelque chose, j'ai envie de raconter une histoire. Ça vient toujours du lieu. Pourquoi Paris Pourquoi le 19e C'est très simple, c'est ce qu'il y a de ma fenêtre à moi. Alors là on a pris la villette parce que c'est complètement mon quartier. J'ouvre ma fenêtre, j'ai la villette devant moi. Voilà, ça s'est trouvé comme ça. Euh, alors c'est des flics de la criminelle. Euh, donc euh, les autres tomes pourront se passer partout ailleurs en France. C'est des flics qui peuvent être amenés à enquêter sur des meurtres partout en France et ils vont pas se gêner pour le faire. Là on est en train de préparer le tome 3 qui va se passer au Havre, etc, etc. Donc euh, mais le Havre c'est aussi un lieu très fort quoi. C'est pour ça qu'on a choisi le Havre parce que d'abord le dessinateur Stéphane Douet il y a il y habitait un certain temps et puis parce que il m'a dit bah viens au Havre je vais te faire découvrir la ville et voilà, wow, bon je m'en suis pris plein la tronche C'est un lieu qui me donne envie de raconter une histoire. Donc c'était parti pour le Havre. Le mystère de la série est, est tout autour de ce personnage-là, ce personnage central. Euh, C'est un flic qui s'appelle Cohen, André Cohen. Bon, un type euh, qui a passé sa jeunesse en Afrique du Nord et qui est venu, qui est venu ensuite en France et qui... Enfin en France à l'époque. Euh, puisqu'il était d'Algérie, donc à l'époque l'Algérie était française, donc il est venu après en France faire ses études, quand il a dû quitter l'Algérie hein, pendant l'indépendance, et il a monté dans la police, jusqu'à devenir un, un flic euh, extrêmement talentueux et euh, qui était pratiquement tout en haut de l'échelon. Il lui est arrivé, euh, il lui est arrivé euh, un gros pépin qui a fait qu'il a basculé et qui s'est qu cassé la gueule de l'escalier. Et on le retrouve là, au début de la série, euh, alors qu'il végète euh, dans les archives de la criminelle. Et pour finir, euh, il va y avoir une rencontre avec un jeune flic qui va arriver, euh, qui, enfin, qui débarque à la criminelle, qui débarque au 36. Et cette rencontre va faire que ce vieux flic, euh, qui a beaucoup à se reprocher, qui a un lourd passé, va avoir envie de se battre, peut-être pour, euh, peut pour retrouver ce passé pour essayer de voir ce qu'il a, qu a raté à l'époque. C'est un flic qui interroge notre modernité, qui, qui la regarde, euh, cette enquête. Euh, elle parle des rencontres sur Internet pour finir. Euh, elle parle d'abord de la solitude, de, de, de ce que c'est qu'être seul dans une grande ville. Bon, on est tous entassés dans, une, dans des grandes villes et pourtant on est quand même plutôt très très seul. Euh, seul parce qu'on se qu n'ose même pas se regarder dans la rue ou seulement par accident. Donc on passe par Internet pour se rencontrer. Et donc l'enquête, elle est autour de ça. Il y a forcément un moment où il y a des types... Euh, euh, pour se faire du pognon ou pour, euh, pour toutes sortes de raisons, vont utiliser cette espèce de besoin vital de, de rencontrer quelqu'un par Internet. Bah, L'enquête raconte tout simplement ça. D'être présélectionné, bah, oui, ça a été une totale surprise. Non, on n'y pensait, pensait absolument pas, donc ça nous euh, est tombé dessus. C'est formidable, c'est formidable parce que. Parce qu'on sait que ACAP, c'est comme beaucoup de BD faites par des jeunes auteurs qui est fragile, quoi, et qui est sorti à un moment où beaucoup de BD étaient sortis. Donc, donc on se dit, si ça lui donne une chance d'être un peu plus vu, d'être un peu plus remarqué, et que les gens juste aient envie de l'ouvrir pour la lire, bah c'est formidable.